je veux faire dans la vie. Enfin, on me disait... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Où être plus tard ? Plus tard. Première fois, avec même un tourne-disque, qu'on pouvait isoler. Celle du son indéfiniment répété et arraché à son contexte. Mon père était sceptique. Elle était indulgente, relativement contente de voir son fils au pinacle des honneurs, ou en tout cas de la responsabilité, de la trouvaille. Mon père était sceptique. Comment ça s'est passé? J'étais d'accord avec mon père. M'entends-tu? M'entends-tu?
Je vous reçois très bien. Je vous reçois 5 sur 5. Entrez. Tandis que l'autre, plus sobrement, s'en tenait à des microphones. Mais c'est dur d'entendre ça 50 fois pour un juste appareil. Genre en 1936, je ne l'ai pas acheté à l'étranger. Comment pas si vite pour diffuser l'opéra. En effet, il m'oublie l'ingrat que j'aimais. Les choses m'ont mené là. Stop. Avant de la constater, musicien n'aime plus la musique. Signé grand public. Un premier concert dans une vraie salle avec un vrai public, est-ce que je n'osais pas parler de la vraie musique. Le résultat est essentiellement une abstraction. Prête, eu lieu que 2 ans plus tard. Nous cherchons, bien entendu, à fuir le plus possible ce qui est figuratif dans la mesure où nous cherchons tout ce qui ne serait ni musique, ni son musical. C'est de la radio. C'est une musique ni bruit. Sur les ondes de soir, davantage. Le bruit anecdotique est un élément dramatique. Le grand mystère. Vous avez un micro? Vous êtes seul dans le studio? Vous n'avez pas de rampe? Vous ne parlez pas à une salle? Les gens sont seuls chez eux. Vous ne parlez pas à un groupe de gens réunis. Qui se sont déplacés. Vous parlez à des gens qui sont isolés. Isolés comme vous. Je suis allé de moi-même, encore moins choisi. Alors, je gère dans le studio, je bricole avec des sons, et je me dis pourquoi pas essayer de faire de la musique avec des bruits, ce qui était d'ailleurs une idée idiote. Non, enfin, ça m'a occupé quand même une bonne dizaine d'années, sinon 20 ans. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Qu'est-ce que tu fais là? Voilà.
Travailler sur soi, ça ne ressemble pas à ce que mon père dit. Des gens qui ne nous donnent pas de bonnes paroles, mais avec lesquels je partage le silence, la vie de groupe, et ce qui s'organise, et bien travailler sur soi. Évidemment, je commence à poser une question sur mon malheur, sur la perte de ma femme. On me répond gentiment, mais on me dit, mais écoutez, pensez aussi à penser à travailler avec l'instrument.